Paul et Jacqueline se sont mariés un mois de mai. Ils ont eu trois enfants. Et puis un jour, Paul et Jacqueline avaient un projet super clean. Ils se sont mis une tête sur le dos et construit leur projet au galop. Maison. Dans la maison, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, je vais vous le dire vite fait. Premier étage, trois chambres, une salle de bain, salon, salle de séjour, cuisine sophistiquée, une toilette. Au rez-de-chaussée, rien du tout. Années ont passé, Paul et Jacqueline se sont ennuyés. Le rez-de-chaussée, ils ont aménagé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je vais vous le dire. Trois chambres, une salle de bain, salon, salle de séjour, cuisine, super équipée, une toilette. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oui. Ah, ah, ah. Et puis il faut que Paul et Jacqueline puissent prendre le grand air. Ils ont aménagé une terrasse couverte. La surface est pareille qu'au rez-de-chaussée. Dans la terrasse, il y a trois chambres. Salle de bain, salon, salle de séjour, cuisine en toute simplicité, une toilette. Voilà, Paul et Jacqueline n'ont pas toujours le grand air et ont construit une terrasse découverte. Et là, il y a juste une salle de séjour. Oui. La voiture sous un abri de fortune, trois abris, deux jardins, mais leur jardin fait 5 mètres carrés pour bivouaquer une grande tente. Il leur reste 3 mètres carrés de pelouse. Et pas d'arbre, pas d'arbre, pas d'arbre, pas d'arbre, non, 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 pas d'arbre, pas d'arbre, pour les Jacqueline, pas d'arbre. Faut-il écouter Paul et Jacqueline? Faut-il écouter Paul? Faut-il écouter Paul et Jacqueline? Faut-il écouter Jacqueline? Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, en tout cas. Pas d'art, non, non, pas d'art. Pas d'art, non, non, pas d'art. Paul et Jacqueline, padar, oh, padar, oh, padar, oh, padar, hey, padar, padar, oui. Faut-il écouter Paul et Jacqueline? Faut-il écouter Jacqueline? Faut-il écouter Paul? Je ne sais pas. Je ne sais pas.